Il n'y arrive pas? L'affaire n'est pas simple, hein? La politique est un métier dangereux par les temps qui courent. Tu devrais aller te promener du côté du Louvre, aux environs de la poste. Les preuves te conduiront coupable, comme toujours. Ce que je craignais tant est arrivé. Je craignais un tel événement depuis des semaines. Mon mari a reçu de nombreuses menaces de mort depuis son vote en faveur du roi. Il avait pris de grandes précautions et même engagé Armand pour le protéger. Je suis Madame Gérard. Mon mari et moi étions invités à dîner, et j'espérais passer une soirée exquise. Les Hennebert sont réputés être des hôtes délicieux. J'espère ne pas avoir joué un rôle dans cette tragédie. C'est moi qui ai conseillé à Hennebert d'inviter les Gérard. J'espérais apaiser ce climat politique des plus délétères. Une fois le vin versé, nous avons tous levé notre verre en jurant d'oublier le passé. Hennebert s'est alors mis à étouffer avant de s'effondrer sur le sol.
Le citoyen Hennebert était un adversaire politique, mais je le respectais. Ma femme et moi avons été ravis d'accepter son invitation. J'ai cru comprendre qu'un de ses serviteurs avait disparu. Voilà qui paraît étrange. Le citoyen Hennebert était un adversaire. Le citoyen Hennebert était un adversaire politique, mais je le respectais. Ma femme et moi avons été ravis d'accepter son invitation. Il a voulu sauver la tête du roi! Ce sont des hommes comme lui qui ont trahi la Révolution. C'était un traître à la Révolution. Je mérite une médaille. Je ne comprends toujours rien à cette affaire. Le verre ne se casse pas. Étrange. Allez, faites votre choix. Les preuves te conduiront au coupable, comme toujours. Tu n'y arrives pas ? L'affaire n'est pas simple, hein ?